Cette belle journée d'inauguration. Allez, Corinne, 1, 2, 3, c'est parti. Hop. Voilà. C'est vraiment une grande chose qu'on ait pensé à Philippe pour le nom de ce stade, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Mahut. Effectivement, comme il a joué quelques années avant moi, donc je ne connaissais pas très bien son histoire, donc quelqu'un m'a raconté. Et puis ce qui m'a touché chez lui, c'était en fait sa gentillesse, son humilité. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau. Et ce qui permet qu'en en fait, il sera toujours là. Attention, on a tout gagné. Attends, je vais te dire ça. Merci. On a tout gagné. Devant nous, une tribune donc, qui peut accueillir 800 personnes, adressée au stade d'honneur, donc un stade de football en terre, en gazon naturel. 200 places de gradins sur l'autre face qui donne sur le terrain d'entraînement. Ici, vous avez donc tout autour une série de pistes, pistes d'entraînement en rugby, en football, pistes d'athlétisme complètement neuves. Philippe, il ne me lâchait pas. Il ne me lâchait vraiment pas. J'ai eu même la chance de faire un match avec lui en défense centrale, d'évoluer à côté de lui. J'ai cette photo qui me tient énormément à cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne pouvais m'empêcher de rater ce rendez-vous-là, quelle que soit la date qui aurait pu être choisie. Je me serais mis à disposition pour honorer ce grand monsieur qui était Philippe, et qui est Philippe, parce que finalement, ce genre de personnage, je ne les oublie jamais.